CCL gagne une somme de 8 millions d'euros avec l'Union européenne dans le cadre de son programme réforme économique. Le gouvernement dit que Salazan peut dans la réserve pays et il peut gagner servir à son discrétion. Salazan y a l'assistance directe, veut dire que le gouvernement n'a pas besoin de repayer. Et sa somme 8 millions d'euros est premier d'un plus grand somme 16,5 millions d'euros que l'Union européenne promet de CCL. Signature à l'agrément pour gagner l'assistance financière 9 millions d'euros avec l'Union européenne, qui fait dans le milieu de décembre 2009, et si ça peut près un mois plus tard, une grande partie sa promesse est réalisée. Un premier somme, 8 millions d'euros, une fine entrée dans la réserve de la Banque centrale, qui jusqu'à mercredi tient 153 millions de dollars dans sa réserve. Cela tombe dans le cadre d'un programme appelé Vulnerability Flex Instrument ou bien VFLEX. Un programme que l'Union européenne y fournit l'assistance financière d'un pays pour capable faire face à la crise financière mondiale. Pour les autres vers Salazan, l'Union européenne a besoin de convaincre que, premièrement, on peut être affecté par sa crise et, deuxièmement, on peut prendre une mesure correcte et efficace pour capable de deal avec sa telle crise. Par exemple, qu'on est, c'est celle en réalité qui commence une réforme, un processus de réforme en la fin 2008. Il continue ça, ce qu'on a dit. Et nous allons suivre par bon, l'institution multilatérale, inclut l'Union européenne. Nous sommes satisfaits pour dire que bon, Mési qui en place imit bon critère qui sont une set. Et en faisant ça, nous qualifions. Mais avant ça, la zone donnée, c'est celle qui a besoin de satisfaire trois conditions majeures. Premièrement, on a progrès dans l'implémentation d'une politique stratégie nationale. Et deuxièmement, maintenir progrès et stabilité d'une politique macroéconomique. Et troisième et finalement, assis progrès dans l'implémentation programme pour améliorer et une réforme de façon que la zone publique y administre. Et dans ce cas, avec l'Union européenne, il donne plus de flexibilité pour le gouvernement choisir et trouver façon qui plus optimale pour lui servir sa financement, pour lui aider son bon projet, alors s'il donne plus flexibilité. En bas, sa programme VFLEX, l'Union européenne pour donner ses 9 millions d'euros, ça 1 million d'euros qui restait pas pour venir directement ici. À cause du finance, assistance technique qui s'est servi besoin, surtout dans la réforme taxe que le gouvernement peut implémenter. Lui particulièrement, pour nous aider à établir un nouveau système VAT qui pour développer vraiment en 2012. Imsi Afifi dit, un tel assistance a montré que l'Union européenne a confiance dans la bonne politique que le gouvernement peut prendre. Il y a l'encouragement aussi pour le gouvernement CCL parce que ça n'est pas un loan. Par exemple, nous avons un programme avec IMF et les autres PVS. Plus que 30 millions de dollars en bas à programme. Mais ça, c'est un loan. Nous vous en repayer. Mais l'Union européenne, par contre, ça est direct support, il y a un grant, nous pas besoin de repayer. Et encore, mon quoi, il démontre pas juste votre confiance, mais votre commitment et votre support pour le gouvernement CCL, parce qu'ils connaissent pour dire que c'est une bonne politique, c'est une bonne politique qui est bien. La valeur totale de l'assistance financière est 6,5 millions d'euros. Ça l'autre 7,5 millions qui restent à Fifidi pour donner en trois portions 2,5 millions d'euros pour sa prochaine 3 ans.